Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui, vidéo découverte de Starship Troopers, Terran Command. On est une sorte de commandant de troupes qui vont défendre des bases. On va devoir se battre contre des aliens pour protéger nos mineurs. On arrive sur une planète dangereuse et le combat va être acharné. Le plus simple qu'en d'habitude, c'est que je vous montre et je vous explique en jeu. Donc on démarre la troisième mission, j'ai déjà fait les deux autres qui sont globalement des tutoriels, et on va donc démarrer sur cette troisième mission. Welcome to Mineville, Lieutenant. Bugs made a mess of the Qual's attempts to defend this base. We're here to do a better job of it. The Flyboys report some serious bug activity out to the east. Our mission is to get these miners back into their holes, not to go play in the dust with Archie. We'll ice them as soon as they come at the walls. Organize your defenses and call down some extra bodies. Keep those bugs outside the walls, Lieutenant. On a donc des aliens qui arrivent, des insectes qui arrivent nous envahir dans cette base qui a déjà été très très mal défendue. Comme vous voyez, il y a déjà un mur qui s'est écroulé. Il va falloir qu'on tienne le plus longtemps possible. Donc, non, vous allez ici. Je pense pas qu'on ait trop de danger par là parce qu'on a une tour de défense ici. Et ici, on va voir donc nos deux infanteries. Et les aliens arrivent de là. Bon, on va se défendre, on est prêt. On va quand même déjà demander. Non, on peut pas demander ça. Rapidement, on a la possibilité d'avoir donc deux bâtiments ici et ici. On est à 9 sur 11 de ravitaillement utilisé. Et on a aussi un war support de 0 sur 0. Ça se débloquera au fur et à mesure. En attendant, voici les aliens. Ça devrait bien se passer. On est au début de la mission. C'est pas comme si on avait le choix. On va quand même lancer une grenade par là. Pour essayer de faire le ménage un petit peu. Est-ce qu'on pourrait en lancer une autre par là? Ouais, celle-là va faire beaucoup plus de bien. Très bien, ça va le faire. Ouais, très bien. Et maintenant, vous allez là-haut parce que je sais que la suite, c'est là-haut. En attendant, on me dit qu'on a débloqué des war supports, donc on va demander tout de suite la construction de ce centre-là pour avoir des ingénieurs. Ils envoient le premier groupe de mineurs dans le trou numéro 1. Sécuriser mon cul, ouais. Cette place encore plus de... Il y a encore plus d'insectes là que dans les égouts. Le commandement croit que le risque est acceptable. Les opérations de minage ne peuvent pas être retardées. Ah, mais on a besoin de plus de temps! Et donc ils envoient les mineurs dans cette mine, mais malheureusement, comme vous voyez, c'est rempli d'insectes. Donc moi, nous, on a déjà placé nos gars, donc ça devrait bien se passer. On va quand même demander un groupe d'ingénieurs. Bah, bien sûr qu'on a, des morts parmi les mineurs. J'ai lancé une grenade ici pour faire un peu de ménage. On devrait pas mal faire de morts là. On va essayer de s'occuper donc du trou numéro 1. Envoyez-lui ici, on lui demandera de faire des tourelles de défense par là, parce que comme vous voyez sur la carte, on a des flèches qui vont dire que ça va attaquer dans ce sens-là. Et on va essayer de se débrouiller assez vite. Très bien, donc on a tué tous les aliens, on est tranquille, on va donc nettoyer le premier trou de mine. Et ça devrait bien se passer. Très bien. Vous trois venez ici. Donc ils envoient les premiers mineurs. The mine is operational. Command appreciates your efforts. Oui, bien sûr, vous appréciez mes efforts. All right. Évidemment. That mining shaft is operational again. On a donc rendu opérationnelle cette première mine. Donc ils sont assez contents de nous et nous demandent de nous occuper des autres. Ils apparaissent sur la carte comme étant ces étoiles. Et on a débloqué de quoi faire quelques tourelles de défense qu'on va placer ici pour être sûr de se défendre contre les ennemis en approche. On n'a pas plus de ravitaillement. Donc on va devoir se débrouiller avec ces trois gars. Et essayer d'avancer par là. Parce qu'il y a
un poste de radio ici qui me semble assez intéressant Intelligence reports that there are Qualcomm bases nearby used to provide logistical support to the mines. Oui, c'est ça, ils nous disent justement d'aller prendre ces bâtiments-là, les deux là qui clignotent en blanc, pour avoir plus de ravitaillement, donc plus d'unités. Pensons à ça, construire la tour. C'est bon, on a fait la tour. Et on va mettre une deuxième tourelle ici. Ça devrait être intéressant pour se défendre. Avancer un petit peu. Comme vous voyez, on a un brouillard de guerre sur les hauteurs. Donc il va falloir qu'on arrive à les prendre sans trop s'exposer. Bon, ça va, ils sont pas trop nombreux. Mais comme on est en contrebas, on n'arrive pas à tirer. Bon, c'est pas grave, on a réussi à avancer. Très bien, prenons donc ce poste de radio. Ça devrait nous rapporter suffisamment de supply pour pouvoir avancer. Parfait, donc on a gagné 5 de supply. On va pouvoir demander plus de troupes. Au moins une troupe de plus, c'est déjà ça. New priority. Et on va demander, on ne peut pas encore faire ça, très bien. Oh. Et on me demande de sécuriser les mineurs qui doivent aller dans cette mine-là. Donc bah, on va s'en occuper hein, tout de suite. Sounds about right. Let's go save us some diggers. Ok, très bien. On récupère encore un peu de supply. Mais pas suffisamment. On va renvoyer les nouveaux soldats qu'on a engagés. Et ils nous disent attention, ça arrive de l'autre côté. Ouais, donc ouais, on va essayer d'en. Non, on n'a pas suffisamment de ravitaillement. Ah mince, ça arrive, mais ça arrive de partout là. Ouais. L'avantage, c'est qu'on peut redemander des renforts à tout le monde. Et le temps que ça arrive. Voilà, maintenant on peut tirer sur eux. Parfait, on a demandé nos renforts, ils devraient nous rejoindre assez rapidement. La mine est là, les mineurs vont y aller. J'espère qu'ils vont survivre, mais je n'y crois pas trop parce que il y a encore des insectes à l'intérieur. Au moins ils me font diversion. Décalez-vous. Non, décalez-vous pour pouvoir tirer. Parce que dans ce jeu-là, on peut pas tirer sur les ennemis si on est caché. J'en ai perdu un. Non, je l'ai pas perdu. Il est juste blessé, mais il est pas perdu. Et on me demande de nettoyer la première mine avant qu'il y ait 15 mineurs qui soient tués. Mais pour l'instant, c'est pas les mineurs qui sont tués, ce sont mes gars. Et j'en ai perdu un complet. Non, pas encore. Heureusement, eux, ils arrivent à se défendre. Ok, et ils ont détruit une tourelle. Très bien, mais venez là. Another shuttle's coming in. Mais non, mais j'ai pas le temps. Are bound for the second mine shaft. We'll try to keep this group in better shape than the last one. Vite, ravitaillement, il me faut plus de troupes. Et lui, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Bon, c'est pas grave. Ok, on a bien reculé, un peu trop. Pourquoi c'est ouvert ça? Vite, reconstruis-moi une tourelle, toi. Il manque un gars quelque part. Je sais pas pourquoi, j'ai perdu un peu de supply. Ah, ils m'ont récupéré, ils m'ont repris ça? Non? Si, ils m'ont repris. C'est pour ça que je peux pas avoir autant de soldats que je voudrais. Zut. On va pas réussir à faire l'objectif secondaire. Mais décalez-vous! Ah, c'est horrible! Ok, on s'occupera plus tard de la tour de radio. On va essayer d'avancer ici. Lui devrait réussir à tirer par au-dessus. Voilà, c'est ça. Là, au moins, on a assez de puissance de feu. On balance une petite grenade. Voilà, ça fait des dégâts. C'est cool.
Mais ils vont se faire vite tuer ceux qui sont dedans, malheureusement. This whole operation's rushed. With more time, we could have done this with fewer non-commie casualties. Command believes that sending miners in would provoke a response and help us find the bugs faster. As you can see, their strategic analysis was correct. So the first wave of miners were sacrificial lambs? Those cold-blooded bastards. Ok, bon, on peut avancer un petit peu. Lui, il a pas assez de soldats. Ah, c'est horrible. Allez, tuez-les. Toi, faut qu'on te sauve. Ok, on peut avancer. Tue-les. Va là-bas, va t'occuper de la mine. Il faut qu'on renforce et qu'on arrive à prendre cette position. Toi aussi, il faut qu'on te renforce. Bon, attendant, les tours, elles réussissent à résister. Ok, super. On a réussi à nettoyer ici. Très bien. Bah, allons reprendre cette zone-là. On a plus de en voir support, on va pouvoir faire donc les snipers et les officiers tactiques. Ici, est-ce qu'on peut... Ouais, un petit sniper, ça fera pas de mal. Si on peut réussir à les utiliser. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non mais c'est bon, on a réussi à se défendre. Vous, vous êtes toujours pas à la tourelle ici? Oh, y a pas de problème ici, ça se défend très bien. Ça, on a récupéré cette zone là, parfait. On devrait pouvoir demander donc un sniper et une infanterie. Et on va essayer de nettoyer le sud. Comme ça, on devrait être tranquille pour la suite. Voilà, les gens les arrosent. Ok, très bien. Maintenant on avance. Il faut qu'on détruise ça. Sachant qu'on a l'avantage de la hauteur. Lance une grenade pour voir. Super. Ça fait le taf. Super, on avance. Ceux-là, ils tirent à distance. Éliminez-les. Enfin, c'est cool quand ça se passe comme ça. On les tue avant qu'ils nous voient. Ils font sortir encore des insectes de la mine. Mais après, elle devrait être vide. Ou pas. Allez, faut que ça avance. Toi, tu peux déjà être promu à élite. Ouais, pas mal ça. Ok, très bien. Allez, faut les tuer. Allez, on avance. Ouais, toi tu vas directement dans le trou. Toi tu essaies de t'enfuir. Demander renfort ici. Nickel, on va avoir fini ça. Toi tu vas pouvoir demander des supplies en plus. Super, on a nettoyé cette mine là. On va avoir un peu plus de supplies. On va avoir un peu tous nos gars aussi. Nickel. Le sud est nettoyé. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Toi, viens ici. Ils sont en train d'arriver, évidemment. Ce serait trop simple, sinon. Sur qui il tire? Ah oui, sur lui, là-haut. Parce qu'ils ont repris cette zone. Ok, s'ils ont repris cette zone, on va quand même y avancer par là. Et essayer d'avancer par là. Cette hauteur là qui va m'embêter. Attack move.
Ok, c'est bon, on avance. On avance sur la deuxième mine pendant ce temps-là. Il y a une vague qui arrive ici, mais j'espère que ça devrait réussir à suffire. Si toi tu pouvais tirer là-dessus. Voilà, très bien. Les tourelles font le taf. Bon, celle-là elle est en surchauffe, faut qu'elle se calme. Toi, ouais. Voilà, le lance-flamme qui rentre en action. Vous tirez sur ça. Ok, allez, il en reste quelques-uns encore à tuer. Vous, vous êtes trop derrière. Ah oui, mais tuez-les. Et toi, on te met une spécialisation au shotgun. J'utilise pas souvent ces spécialisations, j'espère que ça offre d'autres bonus plus passifs. Parce que c'est vraiment une toute petite portée. Et en plus, comme ils sont derrière, c'est pas cool. Avancez un peu. Très bien, ils sont tous morts. On continue d'avancer. Et on va se précipiter sur les hauteurs parce que ça nous fera un avantage. Ouais, si on arrive à passer, hein, évidemment. Feu! Détruisez ça, ce nid d'insectes. Ça va nous aider. Parfait, on a pris le contrôle de la hauteur. Puis avec ces snipers là, on devrait quand même se débrouiller pas mal. On récupère un peu de supplies. Toi, t'as ta tourelle qui a été détruite, il faut que tu la reconstruises. Très bien. Ah, un radio opérateur, ça ce serait cool. En plus, c'était l'objectif secondaire. Donc, on a eu un war support de plus. Et ça permet d'avoir une drop zone supplémentaire. Donc, une zone où on peut avoir des ravitaillements. Ouais. Est-ce que toi, tu pourrais tirer sur les insectes là-bas? Si oui, ce serait intéressant. On essaie de s'approcher de ce nid d'insectes là. Tout en ayant les snipers qui peuvent tirer. On recule un petit peu pour s'assurer notre protection. Voilà, on devrait les dégommer pas mal là. Pendant ce temps là, la tourelle a été faite. Très bien, on va en faire une de plus. Et lui, il est où? Ah, il est là-bas. Très bien. Viens ici. Ok. Ça a été fait, ça, on peut avancer. Feu à volonté. Éliminer ces insectes. Très bien. Suivant. Ça va, on s'en sort bien pour l'instant en tout cas. On va avoir récupéré un nouveau tunnel. Il faut que vous avanciez par contre. Ok, la petite grenade qui fait du bien, regardez. Ok, ça non, par contre ça fait pas du bien. On va mettre une petite zone de réapparition. Ok, allez là-dedans. Super, elle est plein. Et on devrait réussir donc à récupérer Sony. Là, avec nos trois tourelles, quand même, ça se passe beaucoup mieux. On a nos snipers ici aussi, ça se passe bien. Et voilà, on a donc récupéré cette nouvelle zone. Vous avancez et tout le monde est à fond. Non, toi, t'es pas à fond, on va en profiter. Très bien. Ok. On a tout le monde. Point suivant. Ah oui, un peu de supplies ici. C'est intéressant. Ici, qu'est-ce qui se passe? Oui, bah ça se fait toucher, mais c'est pas grave. Ah d'accord, ça s'est détruit. Mets-toi là. Toi, tu peux te spécialiser. Alors, il y a quoi? Ok. Non, on va faire celui-là plutôt.
Très bien. Ici aussi, on a une promotion qui permet de faire ça. Ça fait quoi ? Ça envoie un drone, c'est ça ? Ok, il n'y a pas d'ennemis dans le coin. Ah si, il y a des ennemis là-bas, on les voit. Mais ils vont se faire... Ah oui, ils sont partis attaquer le petit leurre. D'accord, très bien. C'était pas une bonne idée, les gars. Très bien, on avance. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que le sniper est capable de tirer par-dessus nos unités. Ce qui est quand même très pratique. On a un supplies de plus. Ouais, ce serait intéressant d'avoir un gars comme ça en plus. Sauf un petit sniper qu'on va mettre ici en défense. Ok. Puis on va avancer un petit peu. Hein. Il y a encore un tunnel de mine ici. Ouais. Très bien, une petite grenade qui va faire du bien aussi là. Boum. Il y a un petit nid à détruire là-haut. Très bien, toi, est-ce que tu peux mettre un ravitaillement ici? Oui. C'est tellement pratique d'avoir une infinité de ravitaillement. Ok, super, maintenant on peut avancer. Allez, on les explose tous. Bah non, mais tire-toi. Nickel, suivant. Ici, on avait des snipers en plus. Avancez. Très bien. On continue d'avancer. On n'a pas eu de perte. Le tunnel a l'air d'être vide. Allez dedans, vous capturez ça. Évidemment, il n'est pas vide au moment où je le dis. Ah, on va la perdre l'unité. Ouais, on a perdu. C'est pas grave. Elle est morte pour la bonne cause. On va en redemander. Hein. Voilà, très bien. Et donc, on aura un peu plus de supply et on aura ce tunnel de mine en plus. Parfait. Et il nous reste donc plus qu'une seule zone à avoir. Avec ce supply qui est là. Ah, il faut qu'on s'en occupe de ce supply. Parfait. Ouais. Vous, ça va être compliqué si vous foncez dans le tas. On va essayer de récupérer cette zone là. Avec le sniper, c'est quand même assez facile. Hein. Il voit loin, il tire pas dessus les unités. On va lui faire tirer ça. Et toi, je veux que tu mettes ça ici. Merci. Et toi, je veux ça. Je sais pas si ça sert vraiment, comme je disais. On va demander des renforts pour tout le monde. Toi, t'es pas mal ici. Allez, les renforts, on en a besoin. On va récupérer les supplies qui sont juste en dessous. Allez, on les arrose. Ils vont pas faire le poids. Très bien. Allez, on se positionne, on essaie de récupérer les supplies. Parfait. Parce qu'avec plus de supplies, j'aurai un gars en plus. Nickel. Toi. Non, toi, tu vas te soigner si tu peux. Je ne vais pas te soigner. C'est pas grave. Toi, tu vas pouvoir en faire une tourelle en tout cas. Ici. Très bien. Toi avance, avec toi, vous allez aller ici, vous foncez dans le tas, et vous aussi.
Parfait, on a pris cette position. Il nous restera la dernière mine à récupérer. Et je vous avoue que ça se passe plutôt bien. Regardez, on a un sniper de plus, un gars au fusil en plus. Il nous manque un supply qui doit être là. On l'a pas pris. Très bien, on l'avait pas pris. Et bah vous trois, allez récupérer ça. Et nous on va s'occuper de sécuriser par ici. Très bien. Au cas où, on va vous demander d'y aller en attaquant. Et si ça se passe bien aussi, hein. Voilà, on place une petite dernière mitrailleuse. Bon, il n'y avait pas d'ennemis. Très bien. On gagne du temps. C'est parfait. Et là, on me dit, ouais, il y a des hopper bugs. Ok, très bien. En tout cas, on a eu le dernier supply. Ça, c'est cool. Ok, très bien. Avancer aussi en tirant. Toi, recule. Il est où notre opérateur? Il est là. Hoppers overhead. Rifle squad. Bring them down. Très bien, on a réussi à les avoir. Nickel. Ok, très bien, on les a eus. Ça se passe très très bien même. Ça serait mieux s'ils pouvaient tous tirer. Ici, ça se passe comment? Ok. Toi, tu dois faire ça. Ok, parfait. Vite, viens. Ok, on avance. On envoie trois gars là-haut. On a ravitaillé ça. Vous allez vous occuper de ça. Ok, on a perdu un. Mais c'est pas grave parce qu'on a un point de renfort qui est juste en dessous, qui est juste là. On a perdu deux. Ok. Vite des renforts. J'ai eu chaud. Très bien, vite. Des renforts. À fond. Puis on va faire qu'on commence à avancer, mais là on a pas eu tellement de soldats. Ouais mais attendez, c'est bon, calmez-vous. Grenade qui va faire du bien. Ok, feu à volonté. Non, c'est bon, on a eu tous les ravitaillements du monde. Très bien. Toi. Ok, puis on avance. Et on va essayer de récupérer enfin cette mine. Et ça devrait pas poser de problème. Allez tous dedans. Non, peut-être pas tous dedans en fait. Juste un, ça devrait suffire. Ok, génial. On récupère cette mine donc. Parfait. Il nous envoie les mineurs. The mine is operational. Nickel. Et puis on va aller retourner par là, vers le sud, okay. Au cas où. Oui, donc ce tunnel de mine est nettoyé. Et bien c'est une victoire. Ben voilà, c'était facile finalement cette mission là. Il suffisait de
d'être stratégique et d'avancer correctement. Mais en gros, ça vous donne une bonne idée de cette démo que vous pouvez trouver sur Steam. Donc n'hésitez pas à aller télécharger. Vous avez encore le temps, je crois que ça dure jusqu'au 7 octobre. Et puis, amusez-vous et abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et puis, à la prochaine pour d'autres découvertes. C'était Madrigan.